Et salut les amis, c'est Europe. vous êtes sur Creative Wargame et aujourd'hui euh, nous allons ensemble euh, aborder, euh, redécouvrir, débriefer euh, une partie qui vient de se dérouler aux, dire, aux Jeux Olympiques de Wargame, au Championnat du Monde de Warhammer 40 000, à savoir euh, la partie entre Père Castor et Richard Sigler. Alors... Je vais euh, vous débriefer cette partie en me reposant sur des screens que j'ai fait euh, du streamer qui était sur place. Alors, en l'occurrence, c'est le stream de French War Game Studio. Je ne vais pas vous le présenter. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter French War Game Studio. Je vous rappelle juste par la présente qu'ils euh, streament. Hein, au moment où je publie cette vidéo, je pense que euh, on Atlanta est toujours en cours. Donc, ils sont euh, en stream sur Twitch. Si vous voulez aller voir ce qu'ils font, euh, le stream est, est, est dispo. Euh, les replays euh, sont dispo sur Twitch aussi pour les abonnés de leur chaîne. Donc, n'hésitez pas. Allez-y, hein, si, euh, si vous voulez voir la totalité de cette game et de toutes les autres qui vont streamer, tout est disponible sur leur Twitch. Moi, je vais, euh, pour l'objet de cette vidéo, vraiment n'aborder que du technique, du technique de jeu pur. Parce que une partie entre Castor et Sigler, honnêtement, c'est de, euh, de l'élite en termes de jeu. Je pense que ça nécessite qu'on s'arrête euh, d'un point de vue technique, micro, macro sur ce match. D'autant que c'est un match de avec deux armées que je connais, euh, le codex Space Marines Dark Angel sous Company Hunter et le codex, Ladex, le, le codex Adeptus Mechanicus pardon, sous la Skitarii Court. Donc je connais bien les deux listes et, euh, et je trouve que le match mérite qu'on qu s'attarde dessus. Donc voilà, je, je prends le temps de vous refaire ce format euh, technique qui se basera que sur des screens, hein, je vous fais, il y aura pas de vidéo, on va juste s'arrêter sur les placements, les positionnements, euh, les enjeux, euh, le secondaire, le primaire, etc. etc. Si vous voulez revoir entièrement la vidéo, je vous invite évidemment à aller sur le, la chaîne Twitch de FWS, je vous la mets euh, en description. Allez, euh, sans plus attendre, les amis, allons jeter un œil sur, euh, sur ce match. Alors, euh, bon, le, on, malheureusement, j'ai pas trop le début de partie parce que euh, quand le stream se lance euh, sur euh, la chaîne d'FWS, la partie a déjà commencé, et eux, ils ont tout un protocole de, de présentation, de sponsoring, etc., etc., qui fait qu'on passe un peu sur le début de la partie qu'on qu ne voit pas. Donc, je, je, on va prendre un petit peu en cours le lancement de la game, parce qu'on voit que Castor a déjà deux points de, de nos prisonneurs. Euh, c'est un peu dommage. Je trouve que sur une partie comme celle-ci, euh, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir s'attarder sur le déploiement euh, et les, les choix pré-game, parce que je pense que les choix pré-game un impact majeur sur cette partie. Euh, je reviens très très rapidement sur les listes. Les listes, elles sont dispos sur Best Cost pairing Que ce soit la liste de Richard Sigler ou la liste de Per j'en ai parlé sur le live débriefing euh, euh, des listes. Donc euh, je ne vais pas revenir sur les listes. Je ne vais pas vous les représenter. Je reparlerai des unités au fur et à mesure qu'on qu aborde cette game. <laughs> euh, ce qui est important de préciser, c'est euh, qu'il jouait sur Lichpin. Il jouait sur Fog of War et il jouait sur Tipping Point. Alors, euh, pour rappel, Lichpin, tu tiens cet objectif-là, tu mets 3 points, et du coup, les objectifs du Mansland valent 5 points. Si tu ne le tiens pas, celui-là, les objectifs du Mind ne valent que 3 points. Donc, véritablement, tu ne peux pas te permettre, sur, une... sur Lichpin, tu ne peux pas te permettre de perdre l'objectif de ta zone. Ça, c'est forbidden complet. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est la première chose. Euh, Tipping Point, c'est l'espèce de. C'est le, 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 le marteau et enclume en L. Donc euh, normalement la, la grosse partie du tipping point est là de mémoire, tac-tac. Et donc là du côté de Sigler, elle est là, tac et tac. Voilà. Euh, et Fog of War, c'est euh, pas, euh, pas d'utilisation de stratagème core OT1. Et euh, couvert pour tout le monde. Voilà. Euh, alors, le couvert pour tout le monde, euh, il est très intéressant des deux côtés, en vrai, parce que euh, bah, côté Castor, tu as des châssis Vindicator euh, en plus etc., etc. Et, euh, et puis, bah, côté, euh, côté Sigler, tu as de l'infanterie, à savoir euh, les, notamment les Pteraxi et les, euh, et les fusillés, les rangers, les Vanguard, etc., et même les véhicules, du coup, qui vont pouvoir profiter d'un cover, sachant que les Sicariens dans ce détachement l'ont déjà, le cover, ils en profitent de base. Alors, juste, je vais commenter un petit peu le déploiement, même si, malheureusement, comme je vous le dis, on n'a pas, pas le visuel du déploiement en complet. Euh, globalement, euh, Sigler, il, il joue euh, sur table euh, Dipteraxi et il en joue 10 autres dans le ciel. Donc euh, là, a, de Deep Theraxy, euh, il doit y avoir Dipteraxi. Il devait être ici au déploiement, je suppose. Et C'est là où il jump sur, sur le T1. Euh, il décide d'occuper avec son flanc... Sur le flanc fort. Hein. Le flanc fort, c'est le flanc où vous avez une zone de déploiement de 14 pouces. Le flanc faible, c'est celui où vous n'aviez que... Alors non, je crois que c'est 16. 18, je sais plus. Et là, c'est 12 ou 14. Mais bon, il y a un flanc fort et un flanc faible. Donc sur le flanc fort, là où il peut mettre le plus d'unités, il décide de poser l'onagre et deux scorpus euh, destroyers. Euh, scorpus Destroyer, c'est des gros tirs de la scan. Voilà, c'est du gros anti-char. Et ce qui est intéressant de voir, c'est euh, en fait ces châssis-là, il les positionne quasiment pour plus les bouger, parce qu'en fait vous avez une ligne de vue, donc vous avez un occultant. C'est dommage la table. Est, et en fait, ils, ils utilisent des plexiglas là pour faire les zones de terrain. Alors c'est bien. Et parce que, parce que du coup ça ne déparaille pas avec la map. Par contre, euh, tu vois, quand tu regardes la zénithale, t'as du mal à capter les lignes de vue, tu vois. Mais en gros, t'as un, un coin de ruine d'un coin d'occultant qui est là. Donc en gros, il y a une ligne de vue qui traverse bien, qui vient taper dans le centre. Pourquoi c'est important Parce que sur un Lichpin, en fait, l'objectif central, euh, il permet vraiment le switch de la game. Il euh, n'y a pas de difficulté à contrôler son objectif, surtout la table. Hein. On ne la voit pas très bien encore, mais en vérité, euh, très difficile de prendre des lignes de vue euh, sans franchir le mid-map. Euh, voilà, parce que bah, là, vous avez un occultant, là, vous avez un occultant, là, vous avez. Donc, il y, 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 y a une ouverture sur le centre, mais après, en fait, c'est fermé. Donc, si vous voulez chercher des lignes de vue sur l'adversaire, vous êtes obligé de franchir le mid-map, ce qui n'est jamais aisé, euh, surtout qu'on a globalement deux armées de tir. Et en plus, des véhiculés, donc tu passes pas partout, etc. etc. Euh, quoi qu'il en soit, l'objectif de ta zone, tu le contrôles, ta parole le perdre. Le, ton objectif fort, qui pour le coup est sur ton flanc faible, généralement, il est bien couvert par ce U. Donc là, on le voit de ce côté-là, le U où il va coffrer des rangers. Et là, le U où Castor va coffrer du, du, du Dreadnought. Donc ça, c'est confort pour les deux joueurs. Donc on sait qu'ils vont mettre 8 points de, 8 points de secondaire. Ils n'ont pas le droit de passer à côté. Ils le savent, je pense, dans, la, dans cette partie-là. Tu ne peux pas passer à côté de tes 8 points de secondaires, ça, ça, ça peut clôturer la victoire ou la défaite. Parce que ce sont deux joueurs très expérimentés, c'est deux listes euh, très atypiques mais qui sont très fortes. Et, euh, et en fait, la moindre erreur, elle, ça, ça sanctionne. Et, euh, et, et moi, je pense, sans donner d'estimer de, de, sur la partie, je pense que c'est une partie qui ne va pas se jouer à grand chose avec un score qui va être relativement serré. Et potentiellement un switch fin game avec un avantage pour celui qui joue en second. Parce que celui qui joue en second va pouvoir venir euh, grabber 5 euh, points de primaire supplémentaires. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'était qu'ici, il vient prendre vraiment un couloir sur l'objectif du centre. Ça, c'est intéressant. Euh, ça, c'est intéressant. Et, euh, et puis après, donc là, il a un gros bloc de shoot. Il a. Il s'est gardé un, un, un Scorpius des intégrateurs ici, euh, probablement pour avoir de l'opposition si Castor décide de franchir ici ce triangle-là, voilà, ce triangle de décor. Au moins il a, il a du répondant. Pourquoi Parce qu'en fait, si Castor décide de traverser ici, de lancer un Drainout ou tout quoi, euh, il peut se retrouver avec vu qu'il a il a positionné du, du, de, de la gunline ici, il peut vite se retrouver en fait complètement occulté. Euh, dans cette, euh, cette zone-là et se faire contester. Donc, le, le choix, du, je suis désolé, euh, là c'est pareil, vous, on, on voit pas la map en fait, euh, on on voit, pas la, on voit pas toute cette partie-là, parce que là il y a l'encart le, des, des animateurs euh, de, de FWS, on, on voit pas ce qui se passe là, mais il euh, y, a, y a un Scorpius qui est là pour prendre des losses euh, là où ici peuvent être un petit peu occultés. Euh, du côté de Castor, donc c'est une grosse liste véhiculée, euh, il engage. Donc euh, il a deux dreadnoughts sur ce flanc, il a il a un gros bloc de, de véhicules hein, qui est sur son flanc fort. Qui va lui permettre de, de, de push assez rapidement pour venir, pareil, à occuper cette ligne de vue qui est ici. C'est vraiment le positionnement. De ces deux armées de tir, hein. essentiellement, il y a très peu d'unités de close. Euh, Castor, euh, Castor a le lion et il a du tank shock de manière générale. Et euh, Sigler a, a très peu d'unités de close. Les infiltrators, ça reste anecdotique. Euh, les pteraxies que ce soit les stérilisors ou les skystalkers, ça reste anecdotique. D'ailleurs, je, je précise aussi qu'il y a un pack de. de de sky de sky stalker euh, qui en de, de Sterilizer. du coup je sais même pas d'ailleurs si c'est pas les Sterilizers qu'il a mis sur table je vois pas en fait on voit pas et je, je... bon j'ai pas suivi la totalité du stream donc je sais pas si ça a été dit mais je pense que c'est des, des sky stalker et les Sterilizers et l'autre pack de sky stalker est en FEP. voilà euh, que vous dire de plus sur ce déploiement euh, Castor, il joue son hammer. Euh, ah, je sais plus le nom du du Land speeder mais c'est celui qui fait péter le cover. Euh, je crois que c'est le hammer strike. Euh, il le joue middle map, ce qui paraît cohérent. Le plus important, c'est qu'en fait, ce châssis-là puisse avoir de la loss au centre pour apporter euh, pour apporter de, de, du, du support en fait aux unités de tir. Euh, bon, ça c'est vraiment le, le tricks de jeu, euh, on va dire basique, mais beaucoup de gens passent à côté. Et là, pour le coup, sur ces maps-là, parce que là c'est de la map Game Workshop, mais ça fonctionne aussi sur les maps WTC, là il y a un décor, c'est un coffrage à Vindic en fait. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le principe c'est que le Vindic c'est l'épaisseur d'un Rhino, c'est la largeur d'un Rhino, donc ça rentre entièrement dans une zone de terrain à 6 pouces. Et en plus, comme les ruines, elles ne couvrent pas toute la longueur comme elles peuvent le faire ici. Du coup, il peut choper un, de la loss avec un bout de châssis qui dépasse. Donc, en fait, là, c'est coffrage à, à, à vindic. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets un vindic ici et ce deuxième vindic, euh, j'ai peu de doutes sur le fait que soit il traverse, soit il, il rentre là-dedans. Et en gros, bah, le Vindic, qui peut torpiller au centre. Il est dans un cover. Il est entièrement dans la ruine. Euh, voilà, C'est euh, une galère à gérer. Parce que le Vindic, bah, c'est du de plus. Quand ça a du cover, que tu peux cla claquer ton smoke et tout. Ça, et, et une armure du mépris, accessoirement. Qui est un des seuls stratagèmes qu'il peut utiliser en vrai dans le détachement Companion Hunter. Euh, voilà. euh, c'est hyper fort. Donc là, cette ruine-là, c'est vraiment un, un, un poste à gunline pour, euh, pour avoir un, un, un axe de tir sur le centre. C'est très intéressant. Les ATV euh, sont bien parce qu'ils sont Raven Ravenwing. Euh, parce qu'ils sont montés et donc du coup ils sont c'est les seuls de son armée avec le le landspeeder qui sont éligibles au stratagème qui va permettre de blink donc en gros il va il va pouvoir renvoyer des unités en réserve et ça va lui ça va lui donner un petit peu de, de ressources pour faire du secondaire là où bah rapidement je pense qu'il a un petit peu de scout, il a son lieutenant il a du tech marine c'est des unités qui sont pas capables non plus d'aller trop facilement prendre du euh, du behind enemy line, du quart de table euh, etc etc voilà, euh, que vous dire de plus Il y a un truc qui va être joué, je pense, euh, beaucoup, c'est euh, le transport avec l'Uplink Battlesphere euh, Ski. Donc ça, c'est un Huntsman qu'a euh, Sigler dans sa liste. En gros, il a un perso, euh, il a deux perso, il a trois persos, hein. il, a, il a un Marshall avec l'Uplink, donc il, full, il file une full reroll à un pack de Vanguards. Et en plus de ça, le pack de Vanguards peut activer un mouvement après avoir tiré. Donc en gros, le pack de Vanguards est dans un véhicule qui est euh, protégé par l'Occultant. Et en gros, ces mecs-là débarquent, tirent, rembarquent. Euh, c'est un fire, un fire and fade en puissance, en fait. Euh, et même mieux, parce que du coup, bah, tu peux réembarquer. Et donc, du coup, tu peux éventuellement protéger tes unités face à du tir -loss qui est pas présent dans la liste de Castor. Mais c'est toujours bon à, à préciser. Euh, <coughs> que vous dire de plus Que vous dire de plus Donc, ça, ça va être, ça va être utilisé. Euh. Ça va être utilisé et je pense que j'ai fait le tour pour la présentation. Donc là on arrive directement sur le, le tour 1 de... Bah là on a attaqué le tour 1 en fait de... de... J'aurais tendance à dire qu'on a attaqué le tour 1 de Sigler parce qu'il y a des oiseaux qui sont positionnés là. Sauf que je ne vois pas le tirage de secondaire ici. Euh... Donc castor... Il shop Engage et Prisono prisonneurs Globalement, il a push avec ses, ses véhicules. Euh, je pense que ça, ce sont des infiltrateurs qui étaient derrière la ruine ici. Donc là, qui ont bougé sur le terrain de Sigler pour venir coffrer les châssis. Euh, Castor, il a push avec un, euh, un Dread. Le Lion. En fait, il a mis ces trois unités. Euh, il a mis ses trois unités-là sur le... Euh, sur l'objectif principal, okay, pour dire je, je veux mettre mes 13 points de primaire. Là, il a sécurisé cet objectif-là. Euh, je pense que ça, c'est un tech. Ça, c'est un tech. Ça, ça doit être son lieutenant. Je, sais pas où est, je crois qu'il a trois tech, Castor. Je ne sais pas où est le troisième tech. Et là, vous avez Lyon Lionel Johnson euh, qui va être évidemment qui est positionné à 3 pouces du Dreadnought pour avoir le Lone Up. Et, euh, et puis voilà. Donc, Sigler, lui, il va pousser il va venir chercher la ligne de vue sur le centre. Ça, c'est acté. Euh, je suis étonné, de... étonné du choix de Castor. Alors, est-ce que c'était pour prendre un No prisonneur Je ne sais pas ce qu'il a pété au tour 1. Euh, il a probablement pété 5 infiltrators. Je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé au, au T1 de Castor. On ne le voit pas. J'ai essayé de remonter un peu dans le stream. On ne le voit pas. Donc, je pense que Castor, au T1... Castor a le T1. Ça, c'est important. C'est donc un avantage pour Sigler. Je pense que Castor a été cherché avec son Drain Out euh, du No prisonneur Potentiellement, il y avait des infiltrators qui étaient cachés là. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Et euh, mais je suis curieux en fait de, de ce positionnement, le Drownout et le Predator, qui s'offrent un petit peu. Euh, je sais que moi quand je suis passé sur le stream, j'ai entendu Castor activer un smoke au T1, et il n'a pas le droit. Alors, je, sais, je pense que ça a été repris. Parce que, bon, je, moi, je suis passé. Je, je, je passe, et au moment où je, je vois le scénario, je vois Fog of War. Et, et je vois qu'il claque un smoke sur un véhicule. Je ne sais plus c'est lequel. Euh, je pense que c'est ce Predator-là. Je, je suppose. Hein. Euh, et euh, je pense. Est-ce qu'il ne fait pas un misplay de push en se disant je vais smoke et euh, je vais armure du mépris et donc euh, je vais potentiellement sécuriser mon véhicule et mon véhicule va pas mourir. Je sais pas. Je ne sais pas s'il fait ce misplay là. En tout cas, je suis, je suis étonné de, du positionnement, sachant que bah, il, il engage de la ressource importante. Et derrière, ça va sanctionner fort. Euh, derrière, ça va sanctionner fort. Voilà, je vais faire un petit switch, on va avancer un petit peu. Alors je suis désolé, hein, je prends comme je peux. Parce que euh, sur le stream en fait, de, de FWS, il y a un switch entre une partie iOS et une partie 40K. Bon, je vais pas vous mentir, je trouve que ça rend la partie 40k un peu illisible. Euh, c'est dommage. Surtout sur une partie de, de cette envergure-là, avec les joueurs de qualité qu'on a, je, je trouve ça un petit peu dommageable. Mais bon, c'est comme ça. Euh, donc. Donc, 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 il y a des croix, il y a des flèches, euh, ça c'est bien, euh, je souligne le, 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 la volonté de, de, de donner de la technicité, de la lecture technique à la partie, euh, donc là on, on est toujours dans la même configuration, on voit qu'il n'y a plus le run out, on voit qu'il n'y a plus le Predator, donc ça s'est fait torpiller par les deux châssis, pas débat. Euh, les Skystalkers ont tiré bouger, je pense. Euh, donc ils ont, ils ont tiré, euh, ils ont dû attendre que ça pète les châssis, et après ils ont tiré sur le lion, qui du coup n'a plus le lone-up, puisqu'il n'y a plus d'unité à 3 pouces. Et, euh, et après, euh, bah, let's go, de toute façon, je pense que étais, les, les, les Pteraxis étaient dans les 12 pouces. Et donc en fait, ça va lui permettre d'éteindre le les, les primaire, donc il a plus de dossiers que le lion sur l'objectif, et, euh, et puis surtout bah, de faire ce que font les Sky Skystalkers, c'est-à-dire de bloquer le passage. Là, comme je vous l'ai dit en début de game, en fait, sur cette map, quand vous lisez la map, vous comprenez qu'il y a vraiment un enjeu sur la ligne médiane de la map à la franchir ou non. Surtout pour une armée comme celle de Castor qui est très véhiculée. Donc s'il veut apporter de la létalité, il va être obligé de franchir cette ligne médiane. Là, ce que fait euh, ce que fait. Euh, moi je trouve que ce que fait euh, Sigler est un excellent T1. Euh, il n'engage pas de ressources, puisqu'en gros, là, c'est quasiment inciblable pour Castor. Il va peut-être pouvoir faire des trucs, mais vite fait. Euh, donc là en gros il a torpillé un drain out, un Pred dans le centre sans engager quoi que ce soit Et après il a bloqué, il a éteint 5 points de primaire Et il a bloqué euh, Il a bloqué euh, Il a bloqué la ligne médiane pour Castor En engageant euh, 160 points de, de terraxi Même pas 140 140 points de ptéraxie. Donc je pense, que le, je pense que le trade est très très bon euh, je vois qu'ils lui ont coché les deux points de Engage All Front. Donc au T1, il touche Assassinat et Engage All Front. Donc je suppose qu'il a torpillé un tech. Je ne sais pas où était le tech, mais il a réussi à déboîter un tech. Alors il faut savoir que les Pteraxis Kyle Stalker, euh, c'est 6 tirs par mec de force 3. Oui, mais euh, je pense qu'il a pris la doctrine PA-1. Et, euh, et, euh, et du coup, en fait, il se retrouve avec de la force 3, PA-1. Et c'est 6 tirs par un mec, donc ça fait 60 tirs dans le bloc. Donc même quand tu touches à 4, alors ça fait 59 tirs parce que le sergent a un tir en moins. Mais en gros, quand tu touches à 4, bah, ça, fait, euh, ça fait 59 tirs qui touchent à 4. Ça fait euh, quasiment 30, 30 touches validées. Et même si tu blesses à 5, eh bah, tu fais faire 10 sauvegardes à ton Tu fais faire 10 sauvegardes à ton adversaire. Quoi. Et tu as de la PA-1. Tu peux potentiellement passer une, un PA supplémentaire. Enfin, il y, y a des choses à faire. Donc voilà. Mais je pense qu'il a prélevé un tech, parce que les techs en plus n'ont pas beaucoup de PV. Donc, euh, donc voilà, il, pr il prélève un tech, il met ses 5 points d'assassinat, 2 points d'engage. En vrai, c'est un, un très très bon début de partie, je pense, pour, euh, pour, euh, euh, pour Sigler. Peut-être qu'il vient toper le... Là, je vois qu'il y a une croix. Là, je vois qu'il y a une croix. Je ne sais pas trop à quoi elle correspond. Il a peut-être aussi topé un perso qui était en bas avec les infiltrateurs. Donc on voit que les infiltrateurs sont venus. Euh, oui, parce que je pense que ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, juste si je reviens sur le visuel précédent. Non. C'est un peu dommage, honnêtement. Je, je trouve qu'une pa partie, euh... partie de ce niveau technique euh, aurait, aurait été intéressant de... Bon j'arrive pas à revenir, je n'arrive pas à retrouver le visuel. Là c'est là où je suis. Bref. Euh, bon, il y a, a peut-être moyen qu'il y avait un perso en bas. Il a été prélevé un perso en bas. Bon, c'était bien. C'était qualitatif. Voilà, très bon tour euh, de la part de, de Sigler. Ok. Donc là, on arrive sur le T2 de Castor. Donc on ne voit pas ce qu'il a tiré en secondaire. Mais son T2 a déjà commencé. Hein. Puisqu'en gros. Alors il a peut-être peut pas fini sa phase de mouvement d'ailleurs. Il y a encore du move. Voilà, ok. Ok, ok, ok. Là, je pense qu'on a fini les moves de Castor. On a fini les moves de Castor du T2. Donc, il a Aradinal et Secure No Man's Land. Bon, Aradinal, Aradinal c'est. Euh... Il y a Dipteraxi au centre et Dipteraxi, ça ne s'enlève pas comme ça. Attention, les Dipteraxi. Il lui colle le moins 1, il tir. Le SM n'aime pas ça. Euh, bon, il n'a pas le cover parce qu'il a, il a, il a moins de doute, mais même les n'ont pas le cover de toute façon. Donc, euh, il a le moins 1 hit et il peut passer le film no pain sur un bloc de 10 PV avec. Euh, sur un bloc de, de 10 figurines avec 2 PV à chaque fois. Ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant. Alors, qu'est-ce que fait Castor Il a AREA, il a Secure No Man's Land. Donc, Secure No Man's Land, il a tout intérêt à reprendre cet objectif là. En fait, il doit rentrer dans le centre et défoncer les pteraxies. Voilà, c'est ce que lui dit le scénario. Euh, c'est ce que lui dit le scénario. Donc, il a dégagé le lion du centre. Parce que je pense que vu où il fait remonter le lion, il y a peut-être un monde où on se dit bah, le, lion, le lion va venir ici en mid-game, late game. Je pense que c'est ça l'option qui est prise par Castor. Euh, après, il y a un monde aussi peut-être où il se protège des lance-flammes, parce que les lance-flammes peuvent faire très mal à le pack de lance-flammes, de, 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 de 10 lance-flammes en PA-1 et your cover. Moi bon, je pense qu'il n'y a rien de pire pour le lion. Euh, surtout s'il est sur un objectif. Oh non, c'est même pas. Il faut que les pteraxis, les lance-flammes soient à 6 pouces d'une unité ligne. Ce qu'il n'a pas de mal à faire avec le, le Battlesphere le battle battle Humplink. Donc en vrai, le, le Lion, il y a un danger. C'est les Pteraxi les lance-flammes. Euh, pour le reste, Castor, il sécurise, il sécurise son primaire ici comme il faut. Et puis bah là, il faut qu'il dégage le centre. Et, il faut qu'il dégage au centre. Il faut qu'il dégage au centre. Et je crois de mémoire. Voilà. Il y a un rapid ingress au T2. Ça, c'est le Rapid Ingress de de Sky Stalker, je pense. Ce pas les stérilisants encore. J'arrive pas à voir. Ouais, je pense que c'est les fusils. Ça ressemble, à, ça ressemble à un fusil, ça. Donc euh, en gros, il fait rapid ingress le deuxième pack de Sky Stalker pour faire ce qu'il a fait au T2 une, une seconde fois. Euh, hop. <coughs> Ça roule. Donc là, euh, c'est cool. Il va mettre son arrêt à dîner à la 5. Euh, et je vois pas pourquoi il lui met un secure non à 2. Je comprends pas. Euh, ça va peut-être être corrigé après. Ah si, c'est un secure no... Excuse-moi, c'est que j'étais pas sur la bonne ligne. Ok. Donc là, il a dégagé les l'edipteraxie. Euh, le lion qui s'est barré est re rentré par là. Donc euh, voilà. Et, euh, et puis, et puis, et puis, il a lavé les 5 infiltrators qui étaient là, qui le bloquaient un petit peu. Euh, très bon tirage. Euh, Dineal, Secure No Man's Land. Bon tirage. Castor l'a joué proprement. Il n'a pas eu à engager énormément de choses. Donc on va voir un petit peu la réponse de, de Sigler à ça. Ok. J'essaie d'aller chercher le T2 de Sigler. Ok. Euh... Sigler a un tirage qui est moins bon pour le coup il a Mark Fordes et nos prisonniers bon ça, ça déséquilibre un petit peu le truc dans le sens où euh, Mark Fordes euh, bon c'est un c'est un, un secondaire qui peut pas faire euh, il n'a pas la ressource pour aller chercher des trucs euh, dans, le, dans, le, dans les lignes adverses et nos prisonniers bon euh, nos prisonniers s'il va pouvoir le faire parce que je pense qu'il va torpiller du châssis encore une fois que ça gagne D'ailleurs, j'ai pas pas notifié mais il a perdu euh, il a quand même perdu un Scorpus hein. Il a perdu un scorpus là. Et je pense que le scorpus qui était là a, a, a bougé un petit peu. Peut-être qu'il est venu chercher des lignes au centre. Ici. Possiblement. Mais on ne le voit pas. Euh... Donc, euh, donc, 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 donc. Euh, mauvais tirage pour Sigler. Je vais juste aller jusqu'à la fin de son T2. Là, ça jette des dés. Donc, je pense qu'on est déjà ici. Euh... Il a fait push. Ses pter... il, a, il a envoyé ses ici. Donc, là, ça va tirer, ça va rebouger. Euh... Ça va tirer, ça va rebouger. Le Vindicator, Moi, je pense que là ça va shooter. Hein. Là l'objectif pour lui c'est de mettre le no prisonneur. Donc le no prisonneur il peut le prendre. Il n'a pas 10 000 façons de le prendre. Euh, il a je pense un tech qui est ici. Il y a un tech, un tech, un tech. Donc c'est peut-être peut le lieutenant qu'il a tué au, au T1. Il a peut-être tué le lieutenant au T1 pour mettre son, no euh, son assassinat. C'est possible. Donc là il y a un tech, un tech, un tech. Euh, il se peut que ces mecs là puissent choper lui. C'est possible, mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Et euh, le Vindic va y passer. Le Lion, je ne pense, le, le, pense pas que le Lion y passe. Bah Déjà, il est low-nope, en fait. Tant que, le, tant que le Vindic est là, le Lion n'est pas ciblable. Si et les seuls trucs qui peuvent véritablement causer du damage au Lion, c'est ces deux-là. Et ces deux-là ont besoin de taper le Vindic. Donc je pense que le Lion n'y passe pas sur ce tour. Ok, donc là, les Pteraxi ont tiré bougé. Ah, alors, ce que vous ne voyez pas, je pense que, euh, pour éviter de se faire chier à sortir, remettre des figurines, euh, en gros, ils considèrent que euh, l'unité le, le, de Ranger qui désembarque, tire, rebouge, réembarque, je pense qu'il ne débarque que... Le Skitari Marshall, considérant que l'unité est à côté, que c'est un move qu'il peut faire, donc ils ont dû valider le move en amont, je suppose, et après ils réembarquent dans le véhicule. Donc en fait, il se fait pas chier à sortir les figurines, à les remettre, sortir, les remettre. Ok, il sait que le pack de 10 est là, et ils se font pas chier en fait, parce que tant que Castor dit ok, tant que Castor dit pas, je te overwatch, ce pack là ne craint rien. Il n'y a rien qui peut s'opposer au fait qu'il désembarque, s'il réembarque. Donc, euh, donc voilà, ça c'est important de le préciser. Ce qui va lui permettre d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que le, le trick c'est très très fort. En fait, il va désembarquer, ce qui va permettre au Pteraxi de tirer, de bouger de 12. Parce que la particularité c'est que les Pteraxis peuvent rebouger de 12 après avoir tiré s'ils finissent entièrement à 6 pouces d'une battle line. Donc en fait, le fait qu'il vient positionner sa battle line, les Pteraxis tirent, bougent, rentrent dans les 12 de l'unité qui est invisible et après euh, l'unité re rentre dans le châssis. Et là, l'Epteraxi, bah, il est venu éteindre à euh, Il est venu éteindre l'OC de, de l'objectif. Euh, ce qui, nécessairement, je pense, veut dire qu'il n'a pas tombé le Vindicator. Euh, je pense qu'il n'a pas, pas eu le Vindicator. Mais on voit qu'il y a des compteurs de PV. Hein. Ça, c'est des compteurs de PV. Donc, le Lion est amoché. Le Vindic est amoché. Le, le Hammer quelque chose est amoché. Là, y a, y a, quelque chose est amoché, je ne sais pas. Euh, voilà. Je continue un petit peu. Je continue un petit peu aussi. Le Vindic a sauté, finalement. Donc, le Vindic saute. Qu'est-ce qui saute d'autre Je vois qu'il y a 4 points de nos prisonneurs. Le Vindic a sauté. Ah, il y a peut-être un monde où il y a des lignes de vue où on ne voit pas des scouts qui meurent ou une connerie comme ça. C'est possible. C'est possible. Euh, ça, c'est la table. On s'en bat les couilles. Boum. Ok. Ok, ok, ok. Euh, là, on, a, on est donc. Il a validé son nos prisonniers et il va probablement défausser son Mark Fordes. Euh, là, on arrive. Je pense qu'on attaque le T3 de Castor. Euh, ils ont 8 points de primaire chacun. On n'a pas encore scoré le primaire à Castor. Non, donc je pense qu'on est toujours sur le potentiel tour 2 de Sigler, je suppose. Non, là, on a, on a bien avancé dans la partie parce que là, il y a le lion qui a dégagé du, du Pteraxi. Il y a du Pterassi qui a volé. C'est dommage, on n'a pas, le... pas, un... pas un suivi complet parce que là, euh... là les pteraxies au centre ont dégagé. Donc ça veut dire qu'on a attaqué le T3 de, de Castor. Il on... n'y a pas son scoring, il n'y a pas son tirage de secondaire pour l'instant. Alors peut-être qu'il va apparaître un peu après. Non, toujours pas. Alors je vois qu'il y a un Secure No Man's Land chez Sigler en tirage. Wow, on a fait un gros jump dans la partie en fait. On a fait un énorme jump dans la partie. Ah putain, c'est dommage. Alors, en fait, il y, y a un gros gros switch dans la partie, mais je pense qu'ils n'ont ils ont pas dû mettre le score. Et, et ils, ont tout, ils ont tout mis en même temps. Donc, à mon avis, on passe un petit peu sur le tour de Castor et de. Euh, c'est un peu dommage. Alors, ce qu'on voit, c'est que euh, Castor à son T2, il va laver les il va push. Il envoie son, son hammer. Euh, il vient contester potentiellement ici, sachant que ça tire un petit peu. Hein, donc je pense qu'il veut faire du dégât là-dedans. Euh, Sigler, il décide de rapid ingress les lance-flammes. Donc le troisième pack, mais euh, ça y est, il s'est fait laver les packs de, de stalker. Hein. Donc là, ça rapid ingress. Euh, ça, ça contrôle le centre. Il est pas mal, Castor, en vrai, là. En fait, quand tu regardes la table -là, à ce moment-là, il est pas mal. Euh, le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas le score. Donc on va devoir faire un gros jump dans la game. On va devoir faire un gros jump dans la game pour comprendre ce qui se passe. Ok, alors, alors malheureusement, là en plus on nous, on nous sec de la moitié de la table. Euh, alors, les deux ont mis leurs leur deux fois 8 points de primaire, il n'y a pas de souci. Castor il a tiré 10 fun des sabotages. Donc c'est des objectifs qu'il va mettre à son tour. Donc je suppose que Diffen ça sera fait sans difficulté. Sabotage, bon je pense qu'aussi il euh, y a un drain out. Donc en gros là il va mettre 3 et là il va mettre 3, je suppose. Euh, 3 et 3. Ah putain, on vient de voir apparaître un onagre qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Euh, du côté de Sigler, il tire Secure Novel Sound et Engage All euh, et bien Enemy Line. Donc il va mettre 5 et 0. Donc en vrai, pour l'instant, ils se suivent. Hein. Ils se suivent, sachant que 32 à 28. Mais en vrai, le score de Castor, il faut lui rajouter 6 points. À mon avis, hein, 3 et 3. Donc en gros, le score de Castor, réellement, il est à 34 à 34, 32. Donc à la fin du T3, je pense que Castor a une légère avance. Maintenant, il euh, y a quelque chose qui est en train de se dessiner en termes de physionomie de partie, hein. c'est que Castor est commence à, être un petit peu plus, à occuper un peu plus le centre. Là, on voit qu'il n'y a plus les lance-flammes. Alors, les lance-flammes bon, sont peut-être passés de l'autre côté de la ruine. Ils ont dû passer de l'autre côté. Euh... Mais euh, ce qui est engagé sur le centre, ce n'est pas hyper, hyper solide. Hein. Attention, attention, attention. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ce que je voulais vous dire, c'est quoi là On les voyait plus. Donc, ils ont basculé de ce côté-là. Ils ont basculé de ce côté-là. Euh, côté Donc, là, il, par contre, il va, il va éteindre le primaire. Là, euh, là où ici, il n'a pas éteint le primaire. Là, par contre, je pense que Sigler va éteindre le primaire de Castor. Euh, mais Castor mettra les points ici, je suppose. Donc, on a un Secure no Man's Land euh, qui, est, qui est fait sans difficulté. Engage All Front qui va être fait aussi. Avec le pack de Teraxi, de Teraxi Sterilizer qui a franchi le, la, la midline hein, dont je vous parle depuis le début, ce pack-là a franchi, euh, donc ça se tient, ça se tient en vérité. Je pense qu'il y, y, euh, y a un vrai enjeu dans cette game qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, c'est le nombre de PV restants qui caractérise en vérité. Parce qu'un Vindicator posé au centre avec 10 PV, c'est pas la même qu'un Vindicator avec un PV qui peut se faire défoncer à l'Overwatch par, par à peu près n'importe quoi. Donc ça, c'est à, à considérer. Le point de vue du lion sont à considérer. Ça, on n'a pas, visu... pas ce visuel malheureusement. Euh, J'avance un petit peu encore. On va essayer de voir si on arrive à, à choper ici. Non, après il y a l'interview de la partie A-Wise. Donc là, après, je pense qu'on va voir que la partie 40k. Euh, hop. Ok, alors on nous a scoré les 3 points de défense, les 3 points de sabotage, ce qui était attendu. Euh, Secure no man's land et Defense stronghold. Ok, euh, bon, il, y avait un, il me semble qu'il y avait un engage, je ne l'ai pas inventé, il y avait un engage. Donc voilà, euh, là, euh, l'ami Sigler il a chargé. C'est des unités qui font rien encore à corps. Donc se, ces unités-là ne se peuvent pas se, déba, de, de se dépatouiller des, des pteraxies hormis du désengagé tir. Hein, ce qu'il a de, fax, de facto avec son détachement. Euh, et là, ce qu'a fait Sigler, il est venu éteindre le, éteindre le primaire, je pense. Parce que lui, c'est 3 dossés. Je pense que le lion, c'est 2 ou 3 dossés. Il a 6 dossés. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai l'impression qu'il y a des socles qui passent au milieu aussi. Donc, euh, donc il est venu nuler. et ce qui va faire tomber Castor à 3 de primaire sur son T4 Ah bah voilà, c'est marqué, excusez-moi, je l'ai pas vu. Donc ça c'est impactant. Ça c'est impactant pour la partie. Euh, je pense que le switch de la game se fait là. À mon avis, le switch se fait là parce que en gros, ici c'est une galère. Euh, il ne tient plus son objectif. Il va falloir qu'il désengage tir ici. Bon, le lion va sans difficulté découper ses gogoles là. Il euh, n'y a plus le hammer strike qui est ici. Donc, euh, je pense que le switch de la partie, il est maintenant. Et on peut, on peut partir du principe que Castor, a globalement, euh, a, a, perdu cette game, a perdu cette game. Parce que euh, ça, ça va mourir au centre. Il y a encore l'onagre, il y a encore ça. Il y a ça à gérer au centre. Il y a euh, l'unité qui est là. Je pense qu'il y a encore le Batosphère. Peut-être que c'est le Batosphère uplink, d'ailleurs, qui a tiré, bougé, éteint le primaire. Donc ça, je pense que là, il a sacrifié le Battlesphere Uplink, euh, puisque là, il, y a un, un, une, il, a, il a trois troupes dans sa unité. Donc il y a une troupe, de troupes, et c'est probablement le Battlesphere Uplink qui a débarqué, tiré, et nulé le primaire. C'est excessivement fort, hein. franchement, euh, c'est pas une unité qui coûte très cher. Donc voilà, euh, il a encore du répondant, mais euh, Castor, il lui reste, en vrai, hein, là, à ce stade-là de la partie, vous voyez, il lui reste le lion et un vindicateur. Euh, les les balistari ont des armes de tir, c'est des lascans, mais honnêtement, ça ne fait rien contre de la masse d'infanterie. Et le lion, là où il est placé, je ne pense pas qu'il passe le T4 de Sigler. Je ne pense pas. Alors, les scores, ça a été scoré ici. Donc, on voit pas pour l'instant le secondaire de Castor. J'essaye de chercher le secondaire de Castor. Bon, il se passe beaucoup de choses il n'y a pas l'affichage du secondaire, c'est un peu dommage. Euh, alors, ce qu'on voit, c'est qu'ici, ça a désengagé, ça a désengagé. Donc là, ça va rafaler là-dedans, ça va rafaler là-dedans. Euh, il push au centre, conscient qu'à mon avis, euh, le Vindic et, et le Lion ne seront pas suffisants pour tenir le, le centre. Et qu'après, s'il veut pouvoir offrir une opposition sur l'objectif de l'adversaire, euh, il, il va falloir envoyer du bois. Ok, il a lavé, donc, Castor, euh, Castor lave les pteraxis qui sont une plaie, donc ça c'est bien. Je pense que ça, ça, il a pas mal joué parce que c'est de la Gatling, donc c'est 8 tirs par, 8, euh, ouais, c'est tirs par ATV, donc ça fait 16 tirs. Euh, je suppose que c'est le pack qu'il a os, Donc 16 tirs, plus effectivement les tirs de, les tirs de missile frag. Il y a moins que ce soit suffisant pour laver ce pack là. Et il a probablement 1000 vindic aussi d'ailleurs. Il a dû y rajouter le vindic, ce qui fait qu'il a laissé le lion. On va les engager, va les découper au corps à corps. Pas trop de difficultés là-dessus, en vérité. Euh... Hop. Voilà, le lion. Il a, il a envoyé les châssis aussi hein, pour rajouter Také, c'est sait-on jamais. Euh, qu'il a un mec qui survit il fait que ça lui casse les noix. Ok, donc il n'a pas réussi à tuer l'entièreté du pack. Il n'a pas tué l'entièreté du pack euh, pour la simple et bonne raison que il bah, y avait 10 mecs et le. Et le Skitari Marshall. Et donc, bah ok. Donc là, il n'a pas tué l'entièreté du pack. Ici. Euh, alors, est-ce qu'on voit le scoring Oui. Storm of Steel objectif Donc Castor il avait mis ses 4 points de Storm of Steel et x Il a eu un très bon tirage encore. Il a des bons tirages, hein, Castor. Hein. Ça lui sauve un peu les miches. Parce que là, les Secure No Man's Land au T2, euh, il est très bienvenu. Là, Storm of Steel et Extend Battle Line, c'est une très très belle combinaison. Donc, il a un bon tirage de secondaire. Euh, notre ami. Notre ami. Notre ami euh, Sigler, il tire Storm of Steel et Recover Asset. Alors, Recover Asset au T4, c'est pas le meilleur tirage. Storm of Steel, bon, sans difficulté, il euh, y a beaucoup de monde au centre. Donc, il va falloir tomber un de ces, un de ces trois persos. Enfin, soit le lion, soit le balistus, soit le truc pour, euh, pour Non, Storm of Steel pardon c'est récupérer un objectif c'est pas une... c'est pas Overwhelming Force donc il doit récupérer cet objectif ou cet objectif je pense que cet objectif est hors de portée pour lui pour le récupérer donc ça va être le centre euh, l'idée je suppose que l'idée ça va être de euh, désengager le Marshall le tuer tuer le lion au tir ah, bah il ne peut pas tuer le lion au tir parce que le lion est l'onop. donc euh, donc on va voir je, je suis curieux de savoir quels vont être les choix quels vont être les choix euh, Alors... Tac. Il oh, y a des switches qui sont... Euh, C'est dommage. C'est dommage, on peut pas bien bien suivre la partie comme euh, comme on l'espérait, mais euh, mais c'est comme ça, hein, c'est des choix, euh, c'est les choix de, les choix du c'est les choix du caster. Hein. Donc euh, donc voilà, je euh, je juste je fais suite à ça. Euh, ils lui ont déjà mis ces quatre points sur sursaut style de recover, je vais switcher en fait parce que là c'est on peut pas trop savoir. Bon le, le lion s'est fait éclater. Euh, je pense que l'infanterie a permis de le, désingue... le, le décalquer, hein, parce que je vous rappelle que le Lonop, ça reste à 12 pouces. Donc le, le lion s'est fait, fait laver. Euh, il est venu closer le Vindic. C'était comme ça que je voyais le truc. Hein. Euh, il, il avait le lion. Donc il a dû laver le lion avec sa petite infanterie et closer le Vindic pour y venir mettre de l'ossé pour récupérer le Storm Hostile. Euh, le, le Recover Asset potentiellement euh, avec le châssis ici et peut-être avec d'autres trucs, j'en suis pas bien sûr. Euh, il avait un pack de... Il lui restait un petit pack de Teraxi euh, par 5. Alors, je ne sais pas si c'est une unité qu'il a fait blink en cours de game ou c'est une unité qu'il e... qu avait encore en fait qu'il a fait rentrer au T3. Je ne pense pas, parce que vu que c'est entre au T4, à mon avis, c'est une unité qu'il a fait blink. C'était du, du résidu d'une unité qu'il a fait blink. Donc, euh, voilà pour ça. Et, euh, et du coup, à la ronde 5, Castor ne va mettre, encore une fois, que 3 points de primaire. Donc, il s'est encore refait éteindre son primaire. Euh, et ça clôture la game. Ça clôture la game, coaster ne peut plus revenir. Il ne peut plus revenir parce que là déjà euh, bah il a mis 2 fois 3. Et, euh, et donc l'ami euh, Sigler va mettre 8. Il lui met 3, mais il va mettre plus. Je pense. Il va mettre plus de primaire Parce que euh, parce qu'il joue en second. Donc euh, il va nécessairement pouvoir reprendre des objectifs. Potentiellement celui-ci ou celui-ci. J'essaie de voir un petit peu. Hop, comment ça se clôture ça se clôture que... Euh, on ne voit pas le score. On ne voit pas le tirage. Bon. C'est un petit peu dommageable, je trouve, sur une partie de cette, de cette envergure, euh, de ne pas avoir un, un suivi un peu plus... un peu plus peaufin. C'est dommage. Euh, à la fin de la partie, euh, comment il s'appelle euh, Castor va mettre 2 points de Cleanse et 5 points d'on ne sait pas quoi. Euh, ce qui va l'amener à 56 points. Et Sigler... 1, 2, 3, 4. On voit pas les secondaires de Sigler du dernier tour. Il est déjà à 55 points. Euh, donc, euh, il, il va passer devant. Donc, en gros, Sigler gagne la partie. Et, euh, et voilà. Euh, et après, il y a le petit interview. Encore une fois, hein, c'est disponible sur la chaîne Twitch de WS. Donc, si vous voulez aller voir ça en détail, allez-y. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus bah, Vraiment la partie, la partie se joue absolument sur sur du move block et, et toutes ces mécaniques là. Donc c'est quand même super intéressant euh, de voir le, le jeu qui est déployé par Sigler. Euh, je pense qu'il y a un, un vrai un vrai sous, -est sous estimation, je sais pas si ça se dit, mais le, le, les packs de la létalité du, du mécanicus est sous-estimée parce qu'on croit que 10 rangers ou 10 vanguards euh, c'est là pour faire joli, pour faire de la battle line, c'est faux, euh, c'est faux, ça fait du tir, vraiment ça enlève des PV, t'as l'électrofusil lourd, t'as l'électrofusil, t'as le plasma, t'as le sniper, euh, c'est de la PA, c'est du multi-damage. Euh, c'est en full reroll, ça peut gagner des points de PA, ça ignore les covers, donc ça fait du vrai dégât. Et après, bah, clairement, hein, il gagne la partie grâce à ces véhicules qui sont capables d'éteindre à la longue portée la, la capacité de dégâts de Castor. Et grâce aux Pteraxis qui font du move block et du nullage et qui nulent le scoring pendant toute la game. Voilà. Donc euh, ça, c'est hyper intéressant de, de le voir. Euh, ce que je rajouterais pour finir, c'est que l'Admec, c'est une armée qu'il faut. Masteriser de ouf hein, pour pouvoir pour pouvoir prétendre à jouer une partie comme celle-ci, affronter un adversaire comme Castor, euh, gagner la partie euh, avec la liste que propose sigler euh, Il faut masteriser, il faut vraiment masteriser les mécaniques d'interaction, notamment entre les battle lines et les unités, euh, les unités tech entre les battle lines et les unités de, de, de damage, etc., etc. Bref. Euh... Pas su Moi j'ai commencé à suivre la partie sur le stream, j'ai pas continué parce que justement je, je décroche avec le truc du switch de une partie iOS, une partie 40K, une partie iOS, une partie 40K. Donc j'arrive pas à suivre la partie, c'est dommage. Et euh, J'ai essayé de faire mon maximum pour pour que vous puissiez relire cette partie de manière simple et que vous ayez un petit peu les aspérités techniques de de ce qui s'est joué. Euh, voilà, je pense qu'il y a de la micro et de l'utilisation de stratagème du côté de Siegler qu'on voit pas pour le coup parce que parce que bah le, 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 la physionomie du stream le permet pas. Ça aurait été intéressant d'approfondir là-dessus mais on peut pas vraiment le faire. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu les gars que ça vous permet un petit peu de débunker de la partie c'est de la partie de haut niveau hein. c'est vraiment de la partie de haut niveau de 40K. Je pense que c'est le prisme haut. Euh, plus, plus, il n'y a pas au-dessus, hein, vraiment. C'est pour ça que je, je trouve un petit peu dommage qu'on n'ait pas, euh, on ne se soit pas intardé un petit peu plus à avoir une vision technique de la partie euh, sur ce stream parce que il euh, y a un côté un peu, euh, un peu masterclass en fait de la game et, euh, et on ne peut pas véritablement le, le, le retranscrire euh, au, au, dans, en profondeur. Voilà, quoi qu'il en soit, euh, j'espère que ça vous a plu. Le petit pouce bleu, le partage si ça vous sauce, et puis je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao, ciao.